Chegamos em Papés e na privação de ser nosso Senhor Presidente, na unidade de Cristo, de democracia e de povo, me como reformador, anjo e damos fé e no qual sou majoritário, ou seja, de Parlamento. Ce jour, je suis heureux de vous informer que l'informateur et l'équipe du panel qui l'accompagne, eh bien, ils ont terminé le travail et viennent solennellement remettre le rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques. Et il y a un indépendant, parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafassène. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Thank you.
personne, s'il vous plaît. Une question par mortel, une question par personne, pour pas désigner. Les personnes qui sont prévues pour poser leurs questions, s'il vous plaît, je prends la première question. Ce n'était pas encore prévu. Comment d'appeler comment ça? Moi, j'ai mon téléphone. S'il vous plaît. De les accomplir.
Ici, lorsque les députés nationaux, les chefs des regroupements et des partis politiques viennent présenter leur service ou leur accompagnement au président de la République, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'ils attendent à ce que nous puissions tous ensemble rebâtir le Congo, la République démocratique du Congo. Ils attendent à ce que les préoccupations des bases respectives donc, du peuple puissent trouver un début de réponse. C'est ainsi que, quand nous recevions des délégations, c'est vrai, nous avons reçu des recommandations dans tous les domaines de la vie, notamment les questions liées à la paix, à la sécurité, les questions liées aux réformes institutionnelles, et particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, et les questions liées à la bonne gouvernance, en général, la gouvernance économique, climatique et autres. On a abordé tous les domaines de la vie nationale. Et notre devoir a été celui justement de faire un condensé de ce qu'on appelle cahier de charge, donc toutes ces visions ou tous ces souhaits qui sont exprimés par les uns et les autres, de manière à ce que le chef de l'État puisse, lorsqu'il va désigner un formateur, voir dans quelle mesure les intégrer dans le programme du gouvernement. Il faut traduire cela en programme du gouvernement. Et donc, que le Nord Kivu souhaite que le ministre de la Défense soit issu de ses rangs ou de la province du Nord Kivu, une fois de plus, il reviendra à son Excellence, Monsieur le Président, d'apprécier. Mais notre devoir, c'est de transmettre le message ainsi que les souhaits exprimés par toutes les délégations que nous avons reçues. Alors, Monsieur le Rapporteur, Messieurs les membres de la presse, Messieurs les membres de la presse, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Monsieur, monsieur, pas quelle langue. Je vais couper les...